En me baladant en forêt, je suis tombé sur cette drôle de bestiole. Mais qu'est-ce que cela peut bien être? Eh bien, il s'agit d'une chenille. Ouais, sacrée chenille. Son nom, la pudiponde. Cette chenille peut avoir plusieurs coloris. Ouais, on se croirait vraiment dans Pokémon. Ici, elle est jaune, mais on peut aussi en trouver des vertes et des roses. Vous l'avez sûrement remarqué, mais derrière cette chenille, on a comme l'impression qu'il y a un dard. Eh bien non, il ne s'agit absolument pas d'un dard, mais seulement une petite touffe de poils. Par contre, attention, cette chenille est tout de même urticante. Mais en quoi peut bien se métamorphoser cette drôle de chenille? La chenille se métamorphose en ce papillon. Ouais, je m'attendais aussi à autre chose. C'est un papillon de nuit qui se nomme la patte étendue. Mais pourquoi l'appelle-t-on patte étendue? Car tout simplement, quand ce papillon va se poser, il va mettre ses grandes pattes vers l'avant. Voilà.